Monsieur le Président du Conseil général député des Alpes-de-Haute-Provence, Monsieur le Conseiller général, Jean-Marty, je vais excuser tout de suite donc, le Président de la communauté de communes pour d'excellentes raisons, puisque je pense que beaucoup savent ici qu'il est retenu par un heureux événement familial, donc je vous félicite. Je veux saluer donc, les maires et représentants des communes voisines, en les remerciant également, saluer les responsables des associations, des organisations patriotiques que je remercie pour leur fidélité, les représentants de la gendarmerie, des pompiers, et puis les chefs de service, les responsables des administrations du territoire, et puis vous toutes et vous tous pour votre présence fidèle donc en ce rendez-vous annuel qui est devenu un temps depuis une décennie ou deux, un temps incontournable pour nos communes, nouveau rite auquel je sacrifie bien volontiers. Voici donc venu le temps d'échanger les vœux du nouvel an et pour moi celui de vous présenter au nom du conseil municipal, au nom du comité communal d'action sociale, au nom du personnel communal et à mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de très bonne année, de très bonne santé, de prospérité pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. Des vœux de confiance dans l'avenir, dans la nouvelle année, c'est-à-dire en fait surtout des vœux de confiance en chacun et en chacune d'entre nous. Je n'oublie pas bien sûr dans ce moment celles et ceux qui sont dans la peine, dans la solitude, dans les difficultés ou qui affrontent la maladie. Je veux placer ces vœux malgré tout sous un signe positif, un signe d'espérance et surtout un signe de volonté. Bien sûr, j'aurais préféré un contexte économique, social plus clément, mais les choses étant ce qu'elles sont, je ne m'y attarderai pas, ni par ignorance bien sûr, ni par aveuglement, mais parce que l'on ne construit rien, on ne fait pas avancer les affaires avec des lamentations, et puis je pense que vous n'êtes pas venu ce soir pour nous entendre donc pleurnicher sur la situation de nos pauvres communes rurales, même pas sur celle de la commune de la Mure-Argent. Les temps sont durs pour tout le monde, raison de plus pour ne pas s'endormir, pour continuer à agir avec détermination, avec pugnacité, pour faire avancer tout ce qui fait le mieux vivre ensemble. C'est pourquoi je veux redire ma profonde gratitude et celle du conseil municipal et notre total soutien à l'action qui est conduite par les associations, quelles qu'elles soient. Ce moment donc, est celui où on peut, au moins une fois par an, rendre cet hommage au travail des bénévoles qui le méritent bien. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de faire le bilan annuel de ce qui est des réalisations donc, de 2012 et de tracer les perspectives pour 2013. Et cette année, donc, c'est Claude Chélan qui est le responsable, donc premier adjoint et responsable des travaux dans la commune, qui va donc procéder à cette étape. Bien entendu, comme chaque année, quelques travaux ont été effectués dans la commune. Alors, on va commencer par Argent. Argent, bien entendu, c'est toute une série de travaux pas très importants, mais en fait, de même, on a refait la toiture du four avec l'aide des employés municipaux, mais surtout des bénévoles et de M. Blanc, qui a mis pas mal d'ardeur dans ce travail. D'autre part, à Argent aussi, le périmètre de protection des sources a été réalisé, ce qui permet d'autre part aussi de mettre en marche un traitement par UV, ce qui permet d'avoir un eau de qualité à Argent. En ce qui concerne la Mure, le premier des chantiers de l'année, ça a été le mur de soutènement à l'entrée du village à côté Alos. Alors, ce travail s'est déroulé en deux temps. Une première tranche consistait d'abord à démolir l'ancien, à faire mettre en place les fouilles, bien entendu, et à monter un mur en béton branché. Et pour cela, nous avons fait appel au lycée technique, au lycée professionnel de Digne. Et on a vu arriver une dizaine de grands gaillards qui ont travaillé avec ardeur. Et ça faisait plaisir à voir d'ailleurs. Et malgré le mauvais temps, parce que ces pauvres gars, ils n'ont pas eu beaucoup de chance sur les 5 jours qui sont restés, ils ont eu 3 jours. Donc le travail a été fait de façon remarquable. Le deuxième temps consistait donc à habiller ce mur tristouné en béton, à l'habiller en pierre. C'est l'entreprise Cosy qui a fait ça. Il avait délégué pour ça des ouvriers. Je crois que c'était des Tunisiens ou des Marocains, je ne sais pas. Enfin, c'était des gens qui, tranquilles, sans bruit, sans rien, ont fait un boulot vraiment beau travail.
Ensuite, nous avons également réalisé le captage des sources de Chamac. C'est les sources qui alimentent le village et ces sources sont en face de l'hôtel du Verdon. Alors, le captage existait, bien entendu, mais il était en très mauvais état. Et ma foi, il servait aussi pas mal de baignoire à sanglier. Donc, on a réalisé le captage et le périmètre de protection. Ça a été fait. C'est l'entreprise Imbert qui a fait ça. Et ça a été fait de façon. C'est un travail qui est fait de façon remarquable aussi. En profitant de la présence de M. Imbert avec ses ouvriers, puisqu'il était dans le quartier, on en a profité pour faire poser dans le quartier de la gare une borne incendie. Parce que maintenant, ce quartier, il y a deux bornes, il y a la gare. Je pense que c'était indispensable de mettre un système de protection incendie dans ce quartier. Donc ça a été fait profitant de la venue de M. Imbert. Notre travail aussi, ça a été la réparation du four communal. Alors ce four communal, au départ, c'était en rez-de-chaussée, enfin en rez-de-rue si vous préférez, c'est qu'il y avait le four, l'ancien four communal. Au-dessus, deux étages, chacun de ces étages constituait un studio. Alors ce studio, bien entendu, on le louait, et c'était généralement, comme tous les studios, ce sont des jeunes qui arrivent, et ce sont, moi j'appelle ça des étoiles filantes, quoi. Ce sont des gens qui ne restent pas sur la commune parce qu'ils n'y ont aucune attache. Alors on a imaginé de relier les deux studios pour en faire un seul T3, et à partir de ce moment-là, pour installer une famille qui, elle, serait là à demeure. Donc voilà, si vous voulez, la philosophie de l'affaire. Ensuite, notre gros chantier, c'est la RD 957. Alors là, nous avons eu pas mal de déboires parce que bon, des difficultés administratives, on a eu des difficultés également foncières. Et actuellement, bon, le projet est plutôt dans les mains du département, plutôt que à l'initiative de la commune. Reste pour la commune à voir uniquement les réseaux, que ce soit les réseaux, surtout les réseaux humides. Le réseau sec, en principe, c'est l'EDF qui doit lui aussi prendre part à cette opération. Ça devrait commencer à la fin. Enfin, ça avance doucement, mais petit à petit, on y arrive. Dans le même genre de chantier, c'est la minoterie. Bon, la commune a fait l'acquisition de la minoterie pour y installer au musée. La machinerie est dans un état remarquable. Mais là aussi, dès qu'on l'a acheté, on l'a rétrocédé à la communauté de communes qui, elle, gère l'ensemble de cette affaire. En ce qui nous concerne, on va profiter justement de cette opération pour refaire, et quelquefois même faire tout simplement, les réseaux humides qui se trouvent dans le quartier, notamment les égouts qui posent de quelques problèmes. Donc on va essayer de les remettre à sa place. Des travaux d'éclairage public. L'éclairage public, bon, mais ce sont les quelques lampadaires que vous avez là autour, qui ont été posés en début d'année, ou en fin d'année dernière. Par contre, on attend toujours la dépose des anciens supports. Et ça, c'est un peu long, mais on attend le bon vouloir de ces messieurs. On a eu, bien entendu, des travaux d'entretien. Alors, les travaux d'entretien, divers, bien sûr. Il y en a un qui est bien visible, c'est celui qu'on voit après du monument aux morts. Ben, au monument aux morts, il y avait un arbre, un bel arbre. Cet arbre était le siège social, disons. On appelait ça Radio de Sapin. Bon, je ne sais pas si ce sont des mensonges répétés. Ben, toujours est-il qu'il n'a pas supporté. On a ces feux de sapin, nous avons imaginé de mettre à côté du monument en bois une petite construction en bois qui a été montée avec l'aide des ouvriers communaux. Bon, les ouvriers communaux aussi ont fait des travaux d'entretien, notamment plantation d'arbres, de fleurs, et ça va de soi. Et bien entendu, l'entreprise COSI est venue nous faire un peu de réparation dans les rues en y apposant quelques points de goudron. Alors les projets pour 2013. Alors il y a un gros projet, c'est la réfection de la rue du Milieu. La rue du Milieu, ou quelquefois, quelques-uns appellent la rue de l'Âne. Alors il faut refaire la calade, et on va en profiter pour remettre, disons, à jour les réseaux, aussi bien secs qu'humides. C'est un travail qui est déjà assez important. C'est pas très long, mais c'est important.
Bon, bien entendu, la RD 955 toujours en cours. Actuellement, il y a un bureau d'études qui va fournir les documents nécessaires pour le lancement de l'opération. En liaison avec ce projet, on va intenter au carrefour de la petite route et de la route nationale, de l'ancienne route nationale, la RD 955, puisqu'il faut éclairer le carrefour, on va donc poser là un certain nombre de, disons, de lampadaires. Je crois qu'il y en a 4 ou 6, je ne sais plus. Pour ce qui concerne la minoterie, la consultation pour travaux est lancée, mais enfin, comme je vous le disais, ça concerne surtout la communauté de communes, plus que nous. En ce qui concerne le four, les travaux devraient enfin se terminer, parce que nous avons des ennuis avec des artisans qui traînent les pieds, et on aimerait bien pouvoir terminer cette affaire qui traîne. Ça doit être fini au mois d'août. Et on est encore... Ensuite, quand nous avons aussi un petit problème sur la conduite d'eau qui vient de Chamartre. Bien entendu, le captage a été fait bien fait, mais dans la conduite, il doit y avoir quelque chose qui se... Moi, j'appelle ça un objet non identifié, là, qui se balade là-dedans. De temps en temps, il y a des chutes de pression, aussi soudaines qu'imprévisibles. Et donc, on attend les beaux jours pour pouvoir essayer de voir un peu d'où ça vient, essayer d'enlever les quelques vannes qui sont sur le parcours pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait se lever. Enfin, c'est pour nous, c'est un problème qui, heureusement, actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais si c'était au mois d'août, on serait vraiment en piquine. Autre nouveau chantier, la dénomination et la numérotation. La dénomination des rues et la numérotation. C'est vrai que ce soit l'EDF, les PTT, les autres administrations, pour quand ils demandent à intervenir, bien entendu, ont besoin de savoir de façon exacte là où ils vont. Et donc c'est quelque chose qui est indispensable et on est en train de le mettre en marche. Je lance ici un appel pour les gens qui habitent dans des rues ou des chemins qui ne sont pas dénommés. S'ils ont des idées, qu'ils nous les fassent connaître. On pourra toujours voir ce qu'on peut en tirer. D'avance, je les en remercie. Oui, donc les dossiers les plus visibles, vous avez bien noté que et ceux qui vont aussi être les plus perturbateurs pour les riverains, donc c'est la première tranche de la rue du Milieu, et puis ça va être effectivement pour la partie, le quartier du Moulin, dont il a rappelé que jusqu'à maintenant il n'avait pas d'assainissement collectif, donc et que nous allons réaliser cette année. Je voudrais revenir rapidement là, sur deux sujets qui sont un peu quasi extra-communaux, parce que nous ne sommes pas les seuls donc, à être sur cette affaire-là. C'est celui évoqué de la minoterie et celui de la route départementale. Donc, revenir une seconde là-dessus. Alors, je rappelle que la minoterie, donc, vient d'être dit que la commune en avait fait l'acquisition, qui a été mise à la disposition donc, de la communauté de communes. Ce projet, en fait, s'inscrit dans ce que l'on appelle aujourd'hui le programme secret de fabrique, qui est en fait le grand projet de territoire qui englobe, entre autres, la distillerie de Barème, le circuit de découverte du patrimoine drapier du Haut-Verdon, les moulins d'Entrevaux et quelques autres opérations que je n'évoquerai pas, bien sûr, la minoterie de la Mure. Donc c'est un programme de mise en tourisme, porté par le pays à ce Verdon-Vaillrevard et mis en œuvre par la communauté de communes, donc notre communauté de communes Moyen-Verdon. Ce projet représente un investissement de 700 000 euros, quasiment 700 000 euros. Donc c'est une grosse opération qui devrait, donc après qu'on ait réétudié, réexaminé le projet pour le faire revenir dans l'enveloppe financière initialement prévue, pour autrement dit se parer de tout débordement budgétaire, qui devrait être engagé au deuxième semestre de cette année, pour ce qui concerne les travaux, avec une livraison décalée d'ailleurs par rapport au calendrier initial, qui se fera donc à l'été 2014. Ce qui veut dire que dans 16 mois, il y aura à la Mure donc, un pôle muséographique autour de la minoterie, et que... On espère bien en fait redonner ce faisant un nouveau dynamisme en fait, à un tourisme un peu différent et un peu plus désaisonnalisé que ce que nous connaissons aujourd'hui. Quant à la route départementale, donc l'aménagement de la liaison de sécurité en fait, entre la Mure et Saint-André, c'est un vieux projet, comme vous le savez, qui a été initié il y a plus de 10 ans.
C'est un peu l'arlésienne, puisque ça fait régulièrement donc des années dont on parle, que l'on parle de ce projet. Mais nous en sommes au stade où on peut enfin espérer que, qu'on en verra le démarrage. Donc en principe, s'il n'y a pas de nouveau contretemps, les premiers coups de pelle donc, devraient être donnés à la charnière entre le mois d'avril et le mois de mai, en particulier avec le volet qui concerne ERBF. Alors, je rappelle que ça implique le conseil général pour la chaussée rénovée et pour la bande de sécurité piétonne et cyclable, donc, qui sera créée entre la route de la Péridon et l'Isol. Ça concerne ERDF pour la conversion de la ligne et l'enfouissement de la ligne Castillon-Poste de la Mure, c'est à moyenne tension. Ça concerne le syndicat d'électrification et intercommunal pour la desserte électrique locale, pour les réseaux téléphoniques et par délégation de la commune pour l'éclairage public. Et ça concerne la compagnie des chemins de fer de Provence pour la traversée de la voie, bien sûr, et la modernisation de cette section de voie. Et puis, bien sûr, la commune, comme cela a été dit, pour les réseaux humides, eau et assainissement. Alors, bien sûr, un dossier aussi important, en fait, comporte, bien sûr, des contraintes techniques fortes. S'y ajoute, effectivement, mais Claude l'a signalé, une obstruction regrettable sur le plan de la maîtrise foncière. Se superpose à cela des normes de sécurité qui font que, par exemple, hors des secteurs, on est hors secteur agglomération, puisqu'on est entre les deux, et qu'on ne pourra pas donc établir un éclairage public continu, sauf à mettre les lampadaires à 4 mètres au moins de la chaussée, donc qui vont déjà pour lever chez les particuliers et largement, donc, ce qui veut dire qu'on aura bien un éclairage des points. Croisement en fait, sur, mais on n'en aura pas sur les linéaires proprement dit. Voilà pour ce qui est de ce chantier, donc avec, je le disais, donc démarrage avril-mai donc prévu, et c'est le volet ERDF donc qui va commencer, puisque bien entendu, avec le temps de la chaussée, on commencera par travailler dessus. Vous en doutez. Voilà, alors je voudrais quand même dire que ce vieux dossier, cette opération, en fait, résulte. De beaucoup de ténacité, parce que vous savez à quel point on est attaché. Vous savez aussi que c'est un engagement que Gilbert Sauban, à l'époque responsable des routes, en fait, délégué aux routes dans les Rhônes, donc dans l'ancienne municipalité, qu'il a renouvelé après auprès de notre équipe. Et je pense que notre détermination sur ce dossier et la fermeté de son engagement va nous permettre en fait d'aboutir cette année. Confirmé par la présence. Que je remercie tout particulièrement, parce qu'effectivement, je sais que si tu es là, c'est aussi qu'il n'y a pas de doute sur ce terrain-là. Voilà, j'ajoute que bien entendu, donc sur cet aménagement, nous avons effectivement des soucis un peu récurrents en fait en matière d'assainissement en particulier, et qu'on espère bien que ce faisant, on puisse améliorer notablement la performance de nos installations. Voilà, alors, tout ça, bien entendu, aura des conséquences et un impact durable sur les finances locales. Jusqu'à ce jour, donc, nos finances sont saines, mais elles subiront inévitablement le contre-coup de cette réalisation. Et je dois dire que sur ce point des finances locales, nous sommes à l'équilibre attentif entre, d'une part, la volonté de ne pas accroître la pression fiscale sur les ménages, et notre souci, l'attention que l'on porte, à soutenir l'activité et l'emploi dans notre territoire, sachant que la commande publique, puisque c'est de cela dont il s'agit, participe effectivement à la dynamique économique du territoire. Parce que je voudrais signaler et souligner, que si l'économie du département des Alpes-de-Haute-Provence a plutôt bien résisté, avec un taux de croissance d'un peu plus de 10% pour l'année 2012, malheureusement, il faut constater que dans ce quart sud-est du département, on subit une vraie fracture, et qu'on s'enfonce un peu dans la dépression, ce qui forcément inquiète tous les élus de ce territoire. Parce que c'est de l'avenir de ce territoire dont il s'agit, c'est aussi du maintien des services à la population, tous les services, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des transports, etc. Et donc, et je voudrais souhaiter que, pour accompagner en fait ces efforts que nous pouvons consentir en termes d'investissement, que nos parlementaires parviennent au cours de cette année, et dans les années à venir, parce que c'est un gros travail, à réduire significativement l'empilement des textes et des règlements qui plombent
gravement d'ailleurs nos coûts, ce qui ferait d'ailleurs le plus grand bien aussi aux finances publiques. Sans compter que la somme des tracasseries que cela occasionne épuise les bonnes volontés, alors qu'elles sont toujours plus nécessaires. Les bonnes volontés, pas les tracasseries, ça va sans dire. Je suis évidemment très reconnaissant à nos partenaires financiers, que ce soit l'Europe, l'État, le Conseil général, le Conseil régional, pour le soutien qu'ils apportent à tous nos projets. Je connais aussi les contraintes qui sont les leurs, donc les limites que cela amène. Vous savez que la mutualisation de nos actions et la solidarité intercommunale accompagnent tout cela. Elle va s'étendre cette année à la commune de La Palue, qui va devenir la 19e commune de notre communauté de communes du Moyen-Verdon. Il y aura encore de nombreux dossiers, mais je vais peut-être essayer de faire un peu court parce qu'on a déjà été long. De nombreux dossiers que je pourrais évoquer, mais je voudrais donc peut-être raccourcir un peu mon texte. Je voudrais donc à ce stade exprimer mes très profonds remerciements à toutes celles et ceux qui m'entourent, à l'équipe municipale, et notamment aux trois adjoints, pour leur action et leur mobilisation permanente. Claude, toujours sur la brèche, donc Christian, pour son action remarquée dans le domaine de la communication, André-Luc, pour le travail fait l'argent, et donc tous nos collègues du Conseil, nos employés communaux, pour leur sens aigu, aiguisé du service public. Et puis je voudrais, chose que je ne fais pas habituellement, remercier nos conjoints, ou conjointes, qui supportent nos absences et sacrifices librement consentis de notre engagement. Au moment de conclure, je voudrais rappeler également qu'il y aura, dans un peu plus d'un an, dans 14 mois environ, une échéance électorale locale, ce ne sera pas les élections municipales, mais autrement, qui verra certainement un fort renouvellement de l'équipe municipale. Quelques-uns d'entre nous, et je suis de cela, ne renouvelleront pas leur engagement municipal et communal. Je souhaite que de nombreuses volontés, que de nombreuses velléités se manifestent, s'expriment, et par avance, je les assure, de toute mon aide. Jusque-là, soyez assurés de ma totale mobilisation et que je n'entends pas lever le pied jusqu'au terme de ce mandat, bien sûr. Car une commune qui compte quasiment 40 enfants de moins de 10 ans, qui a enregistré encore au cours de l'année passée deux naissances, celle d'Emma Roubaud le 11 juillet et celle de Rose Logier le 3 août, mérite bien de nouveaux élus et un nouveau dynamisme municipal. C'est donc avec confiance dans cet avenir que je vous renouvelle nos voeux les plus sincères de très bonnes années pour vous et pour les autres. Merci, bonne année. Je vous invite à vous approcher et buffer. Merci.